Oh, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va changer les plaquettes de frein du côté avant droit du Peugeot Expert. Peugeot Expert. Les plaquettes, j'ai déjà changé celles qui sont de l'autre côté, côté droite, côté gauche, et là, on va changer côté droite. Donc, on va mettre celle-là. Allez, c'est parti. On démonte la roue. Ça, c'est fait. On desserre. Bon, juste desserrer. Voilà. On va enlever la voiture. On enlève la voiture jusqu'à ce que la roue est bien levée, qu'on puisse tourner la roue. Donc voilà. Okay. On met la chandelle de sécurité. Allez, plus haut. Voilà, on va rabaisser un peu, ça c'est good. On va maintenir en pression avec. Voilà, on dépose la roue. Donc là, on va démonter cette vis ici, donc clé 13, clé 17, pardon. Clé 13, clé 17 sur le contre-écho. Allez. Donc ça c'est bon. On fait celle du bas. Normalement, des fois sur certains modèles, il n'y a même pas besoin. Tu vois, tu peux juste sortir la mâchoire, mais moi je préfère faire comme il se doit pour ne rien abîmer. Donc là, on prépare notre petit collier dans le petit axe là. Sortir la mâchoire. Voilà. On va attacher ça par le haut. Ouais, bref, je pose ça là. Fais attention à ne pas abîmer les durites. Donc là, on sort les vieilles plaquettes de frein. Là, il était temps. C'est temps de changer, plus rien. Quand tu vois le nouveau et l'ancien là, bon. Allez, pas trop de blabla. Donc là c'est bon. Pas oublier de graisser les glissiers, les guides. J'ai graissé, mais là on remonte les nouvelles plaquettes. On met en bas, on insère en haut, et voilà. Pareil pour ce côté-là, on met en bas, on met en haut. Oh. Voilà. Nickel. On vérifie si c'est bien mis. En bas, c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est good. Là, ce qu'on va faire, on va repousser le piston. Donc là, on va repousser les pistons. On va prendre une vieille plaquette. On va venir positionner comme ceci. Et on va prendre un serre-joint. On va prendre un serre-joint qu'on va venir bloquer dessus comme ça. Donc, voilà le résultat. Finalement, j'ai fait comme ça. Une plaquette derrière, une plaquette devant. Et on sert tout pour amener tous les pistons en arrière. Allez, on va mettre ça dessus. Donc, on ramène la mâchoire à son emplacement.
Voilà. Nickel. On remet les deux petites vis. On va rapprocher d'abord et après on va suivre. Rapprocher et après on va serrer. Donc voilà les amis. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit. Merci en tout cas, c'est gentil à vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Je ne vais pas dire un petit, je vais dire un gros pouce bleu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. La barre de commentaires est là pour ça. Mettez des commentaires, que ce soit positif, que ce soit négatif, on s'en fout. Que ce soit constructif, c'est mieux. Négatif, mais constructif, je suis d'accord. Donc là, c'est good. Là, ce qu'il faudra faire, ce sera une purge. On devra purger tous les circuits. Pour purger le circuit, si c'est là, il faudra faire... Comment on va faire les quatre, vu que j'ai changé les quatre plaquettes de frein. Il faudra faire de chaque côté. Donc, commencez par le plus loin du réservoir. Donc, le réservoir est devant à gauche du véhicule. Donc, il va falloir commencer par l'arrière droit, l'arrière gauche, avant droit et avant gauche. Ok. Donc, voilà, une petite parenthèse. On va remonter la roue. Donc là, on les rapproche d'abord. On rapproche tous les boulons. Toujours en croisé. Et après, on va poser le véhicule et après, on va serrer. Donc là, on va poser le véhicule. On va remonter déjà pour sortir la chandelle. Et après, on va poser. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Je vous ai et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, tchuss.